Après l'étape des Kalounaï, la commune de Moulomb, le département d'Oussou et l'arrondissement de Niagis ont reçu la visite du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. À cette occasion, le ministre a sollicité des autorités d'accompagner les populations à la réforme foncière pour l'aménagement du potentiel rizicole. J'ai demandé au maire de formuler un plan d'affaires quinquennal 2024-2029 dans lequel les populations locales, la jeunesse, les femmes vont nous dire ce qu'ils veulent faire dans l'agriculture, dans l'élevage. Vous me permettez aussi, Son Excellence, Man, de vous transmettre une petite doléance. C'est d'accompagner les populations à cette réforme foncière dont nous aurons besoin si on devait aménager tout le potentiel rizicole. Parce que j'ai déjà dit à mes équipes de travailler avec les équipes de la commune pour voir comment on va faire un grand projet agricole dans l'objectif d'exploiter ces 4000 hectares de terre qui représentent la potentialité. Lors de cette journée, une porcherie située à Niagis a été visitée. Le caractère circulaire de la dite porcherie a été évoqué par les autorités. Je vais vous dire ce qui m'a plu ici. C'est le caractère circulaire de la ferme. Quand on est rentré, la première des choses qu'elle m'a montré, c'est le biodigesteur. Elle produit son propre gaz. Ce qu'elle m'a montré, c'est l'engrais organique qu'elle est en train de produire. Ce qui m'a le plus plu, c'est les normes de biosécurité qu'elle a appliquées. Elle nous a demandé « trempez vos pieds avant de rentrer dans la porcherie ». Le secteur de l'élevage des porcs offre de grandes opportunités. Les 10% de chrétiens qu'il y a dans le pays, les jeunes, les femmes, saisissaient l'opportunité. La gérante de cette porcherie salue le geste des autorités, non sans manquer de faire des plaidoyers pour les éleveurs. On a débuté en 2021 avec 20 truies et 3 verras. Donc les autorités nous donnent aujourd'hui la force qu'on les voit à nos côtés, à côté de nous. Ça fait vraiment plaisir. Moi, ce que je voudrais dire surtout au ministre, c'est surtout la formation des jeunes. Former les jeunes et aussi financer et accompagner. Donc, il ne suffit pas de financer seulement un jeune et de ne pas l'accompagner. Aujourd'hui, la filière porcine a vraiment besoin de relève parce que les éleveurs rencontrent de nombreux problèmes. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est nous aider, surtout du côté de l'aliment. À rappeler que dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2024, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a procédé à la remise de 60 000 palmiers à huile aux populations de la Casamance.